bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On change les corps après la visite du Cap Corse. Je vous mets le lien ici là. Nous voilà à bord de notre voilier. On est parti hier relativement tard, vers 15h, et on a tracé bien correctement. Du coup là on est au matin de deuxième jour, on est à la Cala d'Orzo, avec toujours cette eau cristalline. Moi je vais préparer le bateau, et puis après on prend cap au sud. L'objectif c'est au moins Bonifacio. Ah et je vous ai pas présenté l'équipage, donc là il y a Mandine qui est en train de se baigner là, qui arrive. Nous aussi on a Ruka, le chat, qui a été malade le premier jour, hein, comme d'habitude. Aujourd'hui ça ira mieux, on l'espère. Ça va Ruka? Ça a l'air d'aller. Coucou. Alors comment était cette baignade? Trop bien, et même pas eu froid. Pas eu froid? J'ai vu deux raies, et des poissons avec un long bec, tout fusé, on dirait des poissons futes. Les orphies? Ah oui voilà, c'est ça. Et finalement, là où il y a le plus de poissons, c'est en dessous le bateau. Il y a moins de vent ce deuxième jour. C'est mieux, ça agite pas. Et pâte à la carbo, ce midi. Tout en naviguant. Il y en a même pour le chat. Nous voilà sur la terre ferme. Après ce deuxième jour de navigation, on est à Titsan. On a laissé le voilier dans la baie d'à côté, on a débarqué à la nage avec un sac étanche et on visite le village. On se met à l'eau pour regagner le bateau. Le petit voilier est ici. Donc moi il faut que je me mette à l'eau pour rejoindre le bateau. Il y a les rochers qui est là. Et à la fin du troisième jour, on s'en va de l'anse de Tromba. Au revoir Titsan. Pour l'instant il n'y a pas trop de vent. Bon, ça va. Ce midi, on jette l'ancre à la Cala de Rocapine. Toujours un plaisir. Le lion là-bas, la tour, et l'eau turquoise, et un petit barbecue, petite patate. Et avec des petites patates, quoi de mieux qu'un bon bord. On est sur un concept pas mal. Il y en a une qui est heureuse depuis. Et Ruka, il est heureux? Non. Ruka, viens. Lundi matin, quatrième jour. On est dans l'anse de Portich, un peu comme à côté d'Ajaccio, mais c'est pas là. On est allé se mettre à l'abri parce que hier il y avait un petit coup de vent quand même. On a trouvé une petite cale, un peu abritée de la houle de l'ouest et du vent du nord-ouest. Là on est bien. Amandine revient de sa petite baignade avant de déjeuner. On se met bien avec des brochettes encore une fois à la plage Saint-Antoine près de Bonifacio. On est pas trop mal. Bon, y a un peu trop de vent et un peu trop de monde à notre goût. Les rochers sont un peu trop près aussi. Un catch immense. Immense, immense. Oh là là. Amandine est là-bas. Elle a repris un peu confiance parce que là il y a un peu moins de vent. Mais ça serrait les fesses, hein. Oui. Ça criait un peu, hein. Attention. C'est la merde. Il y a trop de bateaux. Il y a trop de bateaux. C'est la fête. Oh, regarde un peu ce que tu fais. Tu risquerais de rentrer dans ce petit bateau-là. Est-ce qu'il faisait à l'abordage? Je sais pas comment il peut y avoir de l'équipage, mais il faudrait être courageux. Nous vient l'abri pour la nuit, le golfe de Santa Monza. Non. De Santa Monza. De Santa Monza. Bon, j'espère que nos voisins italiens vont pas faire la fête toute la nuit, mais ça a l'air bien parti. Allez, on danse.
change les conditions d'hier. Oui, c'est mieux. Au lion de Rocapine. Yeah. Alors cette baignade du soir, Rocapine. Bah, elle est bien. Elle est bonne. Ouais. Bon, on s'est fait chier aujourd'hui avec une moyenne de même pas 3 nœuds. Mais bon, ça vaut le coup de se poser ici. C'est la première fois qu'on se pose ici pour la nuit. Ouais, c'est cool. Dans la baie de Rocapine. C'est trop beau. Le lion, la tour, quelques autres voiliers. Ambiance au mouillage ce matin, c'est tout gris. Le ciel est voilé. Du coup, c'est un peu moins paradisiaque. Quand la journée ne se prête pas à la navigation parce qu'il n'y a pas de vent, à part quand tu t'arrêtes, eh ben on s'occupe. Donc on vous présente la collection Haute Couture 2021. Voilà. Amandine Pauvert. Qu'est-ce donc comme modèle? C'est le modèle Cozy Boat 2021. D'accord. Housse de coussin extérieur en tissu déperlant. Vert pomme. Non, tissu transat, pardon. Tissu transat. Moi, je vous présente ma création, ou plutôt ma réparation. Lazy Bag, collection 2021. C'est faux. Couture dans tous les sens, parce que ça se déchire. Mais il faut bien réparer. Pour en revenir à la navigation, journée de merde. Du coup, on a décidé de s'arrêter. Dans la plus petite cale qui soit. Un peu serré, hein. Ça a intérêt à tenir. Du coup, à l'avant, l'ancre normale avec une dizaine de mètres de chaîne. Et à l'arrière, une autre ancre. Histoire de rester dans l'axe de la cale. De pas aller faire des bisous rongés là. Et là. Raphaël qui change la litière du chat. Parce qu'il a fait caca. Alors on tamise un petit peu comme ça, tac tac tac. Après, on cherche ta mère, on la récupère avec la petite coupelle. Comme ça. Bon, là, je l'ai déjà fait, mais c'est pour l'exemple. Hop. Et après, boum, allô. C'est génial. J'adore ma vie. Bon, eh bien, on a passé la nuit plutôt bien à l'abri. C'est chouette, cette petite cale. Cale à Dagoulia. À recommander. Bon, pour ceux qui osent passer là. Bon, par contre, le temps, c'est toujours pas ça, hein. Il fait gris, mais il a l'air d'avoir un peu de vent, donc on va avancer aujourd'hui. Chouette, parce que demain, il faut qu'on soit à la maison. Puedo quedarme o volver, si usted quiere. ¿Por qué habrías de volver? Explícame eso. Creo que usted necesita el calor del cuerpo de una mujer. Dernier mouillage des vacances, lance de cacalou ou cacao en Corse, c'est une de nos locales préférées. Là-bas, c'est la tour de Capodimour. Il me semblerait qu'on ait trois voisins pour la nuit. Ça devrait aller, sans compter les voisins du dessous. Les petits poissons. Là, ils sont là, les petits poissons. Et on voit bien notre ancre par 9 mètres de fond. On a le droit à des belles couleurs pour le dernier soir. Ça va ce matin? Oui, c'était bien, une bien belle baignade. Avec tous les poissons. Tous les poissons, les dernière navigation des vacances. Eh oui, c'est touriste. C'est fini. Mais au moins on avance bien, pas comme ce matin. Et les sanguinaires au fond là-bas. Et là, c'est tout Ajaccio. La maison du bateau est là-bas.